Jean chapitre 21. In the book of John chapter 21. Vous êtes fatigué? Are you tired? Le Seigneur nous parle. The Lord is talking to us. Jean 21, 15 à 17. John chapter 21 from the verse 15 to 17. Et après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit encore, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Amen. Amen. J'étais en train de lire ce passage ce matin. This morning I was reading this passage. Et le Seigneur a commencé vraiment à me parler sur le rôle du berger, la fonction du berger. And then the Lord started to tell me about the function of the shepherd. Vous savez que le Seigneur est notre berger. You already know that the Lord is our shepherd. Je vais parler, Jésus est le berger de ses enfants. Jesus is the shepherd of his children. Et tout le monde n'est pas une brebis. And not everyone is a sheep. Ça, vous le savez. You already know this. Dans la vision de la sœur, la deuxième sœur qui a parlé, the second sister who said, elle disait qu'elle était étonnée de voir que dans le monde entier, il y a des gens qui chantaient tous un même cantique. And she was saying that et qui le connaissait. In the whole world, people who were singing and song, and she was astonished that people not knew that song. Cet ange. The song that the angel was singing. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que seuls les brebis du Seigneur connaissent la voix du Seigneur. This is because only the sheep of God knows His voice. Il y a des gens à qui vous allez partager la parole, ils ne vont pas la comprendre parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Vous pouvez perdre des années parce qu'ils ne sont pas avec eux parce qu'ils ne sont pas de Dieu. You can lose your time because they're not of God. Et vous le savez, il y a des brebis, il y a des boucs. And there are also goats. Les vrais enfants de Dieu, true children of God, Dieu leur parle. God speaks to them. Il leur donne des songes, il leur donne des visions. He gives them vision and dreams. Il parle au niveau de leurs pensées. He talks to them at the level of their thoughts. Et ici, nous avons affaire à Pierre. And here, it's about Peter. Cet homme que le Seigneur a établi comme un berger. This man that the Lord has established as being a shepherd. Jésus était mort. Jesus was dead. Pendant qu'il était, bien sûr, dans la tombe, when he was in the tomb, Pierre ainsi que quelques apôtres sont retournés à la pêche. Peter and some of the apostles went back to fish. Et ils ont abandonné les brebis. And they gave away the sheep of God. Parce que le Seigneur avait déjà préparé un groupe de personnes. Because the Lord had already prepared some people. Et Pierre n'avait pas compris sa mission. But people hadn't understood at that time his own mission. Et là, le Seigneur ressuscite. And then when the Lord was raised, il repart au bord de l'eau. He went back to the river. Pour interpeller Pierre. And to call on Peter's mind. Et il lui pose la question à trois reprises. Est-ce que tu m'aimes? And he asked him three times, do you love me? Et comme vous le savez, Paul, le Seigneur va utiliser un verbe très fort, le verbe agapé. And as you already know, the Lord used a strong verb, agapé. Et Pierre va répondre par Phileo. And Peter will answer by the verb phileo. Voyez, c'est moins fort qu'agapé. This is less stronger than agape. M'aimes-tu? Do you love me?
Pierre, m'aimes-tu? Peter, do you love me? Ça, c'est agapé. This is agape. Et Pierre répond par philéo. And Peter answered by philéo. Je t'aime, mais pas avec l'amour agapé. I love you, but not with the same love as agape. Je t'aime avec l'amour philéo. I love with the philéo love. Et la deuxième fois, m'aimes-tu, Pierre? And the second time, do you love me, Le Peter? Le même verbe agapé. And the same word agape. L'amour désintéressé. Love that you love. Et la Pierre répond toujours par philéo. With love with no interest, and Peter answered by philéo. Et le Seigneur descend d'un cran. And then the Lord went downer. La troisième fois, il utilise le verbe, le mot philéo. He went down philéo. And used the word philéo. Et Pierre répond toujours par philéo, je t'aime. And Peter used the same answer. Et le Seigneur philéo, lui dit, paie mes brebis. And the Lord said, tend my sheep. Il a commencé par les agneaux. He started by the sheep, les the enfants, lambs, children. Ils sont innocents. They're innocent. Et ensuite les brebis, donc ils sont un tout petit peu plus grands. And then he talked about the sheep because they were older. Alors, ce que le Seigneur m'a enseigné ici, c'était l'amour agapé. On ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur si on n'a pas reçu de lui cet amour. The Lord was talking to me about love. We cannot serve God if we haven't received His own love. Il commence d'abord par dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? He started by asking Peter, do you love me? Mais avec mon amour à moi. But with my own love. Pas avec l'amour du monde. Not with the worldly love. C'est-à-dire l'amour agapé parce que Dieu est agapé. With the love called agape because God is agape. Dans 1 Jean 4 et 8, il est dit. In the book of 1 John 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est agapé. The one who does not love hasn't met God because God is love. Et dans Romains chapitre 5, Paul dit. In the book of Romans chapter 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Peter say the love of God has been poured out in our hearts by the Lord who has given Donc, to us. Donc la première des choses que Dieu donne à ses enfants. It means that the first thing that the Lord gives to His children. C'est l'amour. It is love. Beaucoup veulent servir Dieu. Many people want to serve God. Mais ils n'ont pas reçu au préalable l'amour agapé. But they haven't received first of all the love of God. Et ne le cherchez agape. Pas cet amour dans le monde, vous ne le trouverez pas. Do not seek this love in the world, you will not find it. L'apôtre Paul dit. The apostle Paul Même says, si je donne tous mes biens pour les pauvres. Even if I give all my Si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien. If I do not have this love, agape, Même si I'm je nothing. Me fais brûler pour les autres. Even if I burn myself Si je n'ai others. Pas l'agapé, je ne suis rien. If I do not have this agape love, I'm nothing. Cet amour n'est pas de ce monde. This love is not from the world. Donc on ne peut pas servir Dieu sans avoir reçu cet amour-là. It means we cannot minister for God if we haven't received Vous savez pourquoi? This love. Do you know why? Parce que si on sert le Seigneur sans cet amour, It means that if we serve God without this love, on va prendre sa gloire. We will take His glory. On va aller avec des femmes. We will go and have sexual relationships on va aller avec des hommes. We will have sexual relationships on va abandonner la foi à cause de la persécution. We will give away faith because of persecution going on va on. Faire marche arrière à cause du rejet, à cause de la souffrance. We will go back because of sufferings and rejection for people. Donc, si Pierre a pu, n'est-ce pas? Si Pierre a fait marche arrière après la mort du Seigneur, c'est parce qu'il n'avait pas reçu l'amour agapé encore. If Peter went back after the Lord has died, it's because he hadn't received at that time the love agape. Tout au long du ministère de Jésus, it means that during Pierre a marché Jesus avec ministry, lui. Peter was walking Mais with il a marché him. Avec lui par intérêt. But he was walking with him in interest. Parce qu'il avait ses propres, n'est-ce pas, objectifs. Because he had his own goals. N'est-ce pas? Isn't it? Même les autres, ils se battaient pour des postes. Even others, they wanted to have a job, a good position. Ils n'avaient pas encore reçu cet amour-là. They hadn't received this type of love back. Il fallait que le Saint-Esprit soit envoyé. The Holy Spirit was to be sent. Pour que cet amour s'implante dans leur cœur. Had to be sent in order for this love to be Voyez? In their lives. D'abord, on reçoit l'amour de Dieu. It means first of all we receive Et the ensuite, love of on God. Peut aller vers les hommes. And then we can go to men. To on reçoit de Dieu. We receive from Et God. Et ensuite, on peut aller paître. And then we can go and take care of the sheep. Et comprenez que ici, là, quand le Seigneur dit à Pierre de paître ses brebis. Here, when the Lord tells Peter to take care of his sheep. En fait, il parle en même temps. N'est-ce pas, à Pierre et à tous les chrétiens. He was talking to Peter and to all type of Christians. Parce que nous sommes appelés, nous tous, à nous paître les uns les autres. Because we are all supposed to take care of each other. Voyez, donc on reçoit l'amour, ça c'est la relation avec Dieu, la relation verticale, voyez, la connexion avec Dieu. We receive love, this is a relationship with God. Ensuite, nous allons nous rentrer dans une relation, n'est-ce pas, horizontale, dans une relation, la communion fraternelle. And then we start having a brotherhood fellowship. On ne peut pas se dire chrétien We cannot call ourselves Christians. Tout en évitant les hommes, les femmes, parce que Dieu veut sauver les hommes.
with not being with Gentiles, because God wants to save them as well. Voyez les religieux. Have you seen religious people? Ils reçoivent la parole de Dieu. They have received the word of God. Et ils s'enferment entre eux. And then they enclose themselves in some place. Non, ça ce n'est pas la parole de Dieu. No, this is not about the word of God. Dieu a quitté son trône pour venir vivre parmi les pécheurs. God has left his throne to come and live among Gentiles. Quand on reçoit l'agapé de Dieu, sinners, when we receive the love of God, agape, notre cœur bat pour les pécheurs. Our hearts start beating for sinners. Notre cœur bat pour les orphelins. Our hearts start beating for orphans. Notre cœur bat pour les veuves. Our hearts beat for the widows. Quand nous sommes sortis de la Centrafrique, avant de, à l'aéroport, en at Centrafrique, in Central Africa, when it, at the j'étais fatigué. I was tired. Nous sommes arrivés un vendredi soir. We arrived there on Friday le vendredi evening, 12. On the 12th of October. La douane bloque 5 de nos valises. And then from there the services didn't want us to qui have remplies de médicaments of our pour les enfants, pour les malades. Had medicine drugs for the ill, for ill people. Il y a une femme douanière, elle ne voulait même pas nous voir. There's a woman who was working there, she couldn't even ça m'a stand. Fait mal. She didn't want to see us and this hurt me. Et on devait repartir le mardi. And on Tuesday we had to come back. Et il nous fallait des médicaments urgemment pour pouvoir les distribuer aux malades. And this was urgent. We needed those drugs. Et on a récupéré, on a pu récupérer ces bagages seulement le dimanche. And it's only on Sunday that we could be able to take back our luggage. Et sur le retour à l'aéroport, on a encore eu quelques complications. And on our way back, same thing, we have difficulties. Je me suis dit, j'ai dit aux frères et sœurs, je ne repars plus en Centrafrique. And I told brothers and sisters, I'm no longer going. J'ai senti Dieu me regarder comme ça. But I felt God looking at je me leur ai dit, à conduire, si Dieu dit que je dois repartir, je me soumets à mon papa, il n'y a pas de problème. I say, if God tells me to go back there, I will go because I've submit myself. Quand je suis arrivé, when I arrived there, j'ai appelé une sœur qui était partie avec nous. I called a sister une who des sœurs. Went with us, je one lui ai dit, sisters. Je repars là-bas. I said, I'm going back there. Je repars là-bas. I'm going back. Et voyez, c'est-à-dire, tu ne peux pas. You cannot take it. Tu reçois l'agapé de Dieu. You receive agape et ton cœur va battre pour les autres. And your heart starting beating for others. Paul dit. Paul says. Avec les sans loi. With the lawless. J'étais comme un sans loi pour gagner les sans loi. I was a lawless man in order to gain them. Être God. Chrétien. Being a Christian. Ce n'est pas le fait de rester seulement avec Dieu dans la prière. Non. It's not about staying with God in prayer. Être all chrétien, the time. C'est quoi? No. What's being a Christian? Nous recevons de Dieu l'amour we receive love from et God. Nous allons voir les pauvres, les malades, les méchants pour pouvoir partager cela. And we go share the love of God with the wicked. Et si tu ne l'as pas compris, but if you haven't understood tu vas vivre dans un monastère comme les moines. You will go and live with in a monastery. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. And this is not what God wants. Alléluia. Praise God. Parfois, des gens me disent, frère, comment tu peux parler encore avec cet homme-là? Sometimes people ask me, brother, how can you speak to this type of man? Non, non, je ne me compromets pas. I say, no, I'm not compromising Mais myself. Dieu est patient. But God is patient. Si Dieu devait nous foudroyer quand nous étions dans le péché, si Dieu devait exercer sa vengeance, personne ne serait sauvé. If God has to strike us every time that we are sinning, no one was been able to be saved. Alléluia. Praise God. Voyez, la Bible dit, Paul dit. Paul says, la charité est patiente. Love is patience. Le mot patience ici here, patience, fait allusion à la persévérance. Stands for perseverance. Voyez, ça y est, il y a la notion des obstacles, voyez, les obstacles devant. There are some obstacles, struggles, and you need to keep going. Voyez, nous sommes tous appelés à exercer, n'est-ce pas, la fonction, l'amour pastoral. We are all called tous. To manifest the pastoral love. En tant que chrétien. To minister as a Christians. Nous devons voir comme Dieu voit les choses. We need to see things as God sees. C'est pas toujours facile. Dieu ne voit pas l'homme tel qu'il est. Dieu voit l'homme tel qu'il sera demain. And this is not easy because God doesn't see the man as he is today, but he, as he will regardez be tomorrow. Regardez la plupart des gens que Dieu a appelés. Look at most of the people that the Lord has called. Moïse, Dieu lui dit, viens, va libérer mon peuple. Il dit non, je ne sais pas parler. The Lord called Moses, come and set free my people. Moses said, no, I don't know how to speak. Et sur le plan humain, on peut dire que Dieu a échoué. On the human level, il s'est trompé. Say that God was mais il échoue. Ni ne se trompe. He made a mistake. No, he hasn't made a mistake. Comment never. Dieu peut envoyer quelqu'un? Comment Dieu peut-il envoyer quelqu'un qui ne sait pas parler, libérer son peuple? How can God send someone who's not able to talk, who doesn't know how to speak? Ça, to c'est notre Dieu. People, he's free. This is our God. Il va choisir des illettrés. He will take people who haven't studied a des lot. Gens sans lettres. People who do not sans know instructions. How to read, with no instructions. Et il le prend.
He tugs them. Parmi ces gens, il y avait même un voleur, Judas. Among these people, there was a thief, Jésus Judah. Savait que Judas était voleur. Jesus knew that Judah was Et vous a savez thief. Ce qu'il va faire? And do you know what he did? Il va nous confier le ministère des finances. He will entrust him financial service. Ministry. Alléluia! Praise God. Et quand Judas volait, While Judah was Jésus stealing, le voyait. Jesus saw him. Mais Pierre ne le voyait pas. But Peter didn't see Mais Jésus ne l'a pas dénoncé tout de suite. But Jesus did not denounce him straight il n'est away. Pas comme nous. He is not as, like us. Parmi ces gens, Among these people, donc il y avait un voleur, there were a thief, il y avait aussi des racistes. And also people who are racist. On avait les zélotes. Type les zélotes, ils voulaient chasser les Romains par les armes. They wanted to cast Romans with c'est écrit, their weapons. Hein? It's written. Ils étaient donc, c'est comme si Jésus marchait avec des gens qui sont dans le FN. It's like it, voyez? Jesus was walking dans un parti nationaliste. In a French voilà. Political party. Nous les Romains, on n'en veut pas. Les Romains, tout ça, ils sont méchants. No, il dit, we don't toi, fais avec moi. Wicked. You come with me. Parmi ces gens, il y avait aussi Jacques, Jean et Jacques. Among these people, there were James and John. Fils de tonnerre. Some of. Ils avaient un caractère irascible. So now, they had a strong character. Ils s'irritaient facilement. Oh, they were getting angry. Ils étaient coléreux. They were angry. Jésus les a pris, il les a nommés apôtres. And Jesus took them and set them down as Vous vous rappelez? Apostles. Do you remember? Ils sont allés voir. Ils devaient passer par la Samarie pour aller à Jérusalem. They had to go through Samaria in order to. Les Samaritains ont dit, vous ne passez pas par ici. And Samaritans said, no, Jacques et Jean ont dit, Seigneur, on a l'onction là. We have the anointing. Toi, t'as l'onction. Yes, you have the anointing. C'est une manière de parler. Veux-tu que nous commandions au feu? Do you want us to add order to the fire? De tomber du ciel? To command the fire to come comme out Élie l'a fait? Such as Elijah pour que ces Samaritains, cette sale race soient consumés? In order for these people to be burnt? Jésus dit, and destroyed, the vous Lord ne said, savez pas de quel esprit vous êtes animé. You do not know what spirit is leading you. Oh Jésus! Oh Jesus! Tu es vraiment unique. You're unique. Ah, il mérite des acclamations. Alléluia, yes, gloire he à Dieu. Deserves. Nous voulons vous présenter le Jésus de la Bible que très peu connaissent. We want to introduce you the Jesus that in the Bible that very few knows about. Regardez him. Les gens qu'il a pris. Look at the people that he has chosen. Un jour on l'invite manger quelque part. One day he was sent he was called to go and eat with Posez-moi some people. La question par qui? Ask me who invited him to go and eat with them. Un pharisien. A Pharisee. Le pharisien veut le mot pharisien veut dire séparé. Pharisee means to be separated. Il ne touchait pas les gens. Oh là, ils sont impurs. No, they cannot touch people because people were unclean. Oh là là, les Arabes. Oh là là là. Oh, Arabic people no. Oh les Noirs. Oh, Black people, no way. Mais c'était comme ça les pharisiens. But this is how they used to be. Quand ils voyaient un noir, ils passaient comme ça. When they saw black people, quand ils voyaient un français, a Frenchman, he was going on the other way. Jésus l'invite, on l'invite. And he was invited. Vous savez quand on invitait le maître, il était toujours avec une foule. Hein? When we invited the master, there was always a crowd. Il arrive chez le pharisien. He arrived at the Pharisee's. Le pharisien avait aussi ses collègues qui étaient là. Tout le monde observait le Seigneur. And other Pharisees were there observing the Lord. Jésus Dieu. And Jesus has been God. Touche une prostituée quelque part. Touches a prostitute somewhere. Il dit, viens ici. He said to her, come here. Prostituée vient avec sa mine, avec son apparence, son accoutrement. This prostitute came with her clothes. Et vous connaissez l'histoire, non? And you already know the story, isn't it? Elle vient comme ça, elle s'est mise à pleurer. She came and started crying. Avec ses larmes, elle commence à essuyer les pieds du Seigneur. And with her tears, she started. Imaginez avec ses cheveux. The Lord's feet. Imaginez les caméras étaient là, en direct sur Internet. Camera was there on Internet live, going on. Sur YouTube. On YouTube, for example. Imaginez. Try to picture les pharisiens. Ouh! Pharisees were there. I saw si it. Cet homme était prophète. If he, this man was a true prophet. Il aurait su. He would have known. De quelle espèce? From which espèce? Quelle espèce? From which espèce? Est cette femme? Is this woman? L'homme qui a invité le Seigneur a pensé ça dans son cœur. Hein? The man who invited the Lord has this in his heart. C'est Simon. And the Lord said, c'était le pharisien. Il dit oui, maître. He said yes, master. Jésus l'a vu. Jesus had seen her. Et tu vois, non? Have you seen Jésus this? Jésus venu chez toi, tu m'as pas donné de l'eau. You pour me laver I les came pieds. To your place, but you hadn't given me water. Oh, regardez Jésus. Regardez Jésus. Look at Jesus. L'amour. Love. Non, il est particulier. No, he is special. Il dit, tu m'as rien donné pour me laver les pieds. Tu m'as pas donné de parfum, mais elle m'a parfumé, elle m'a embrassé. He said to him, you hadn't given me anything to wash my. C'est pour cela feet. Que ses nombreux péchés sont pardonnés. But she has given me forgiveness. This is why her sins were Jésus, forgiven. Je veux they te présenter shocked. Le Jésus révolutionnaire. I want to present you the pas le Jésus catholique. Not the Catholic Jesus. Parce qu'ils s'enferment ces prêtres là dans leur monastère là, ils se croient
ils croient être purs, mais Jésus veut qu'on aille vers les pécheurs. Because all these priests, Catholic priests, and close their them in their monastery, but Jesus wants us to go to the sinners. À l'aéroport, on était avec ces deux prostituées. At the airport, we were with these two prostitutes. J'ai vu comment les gens nous regardaient. I saw how people were looking to us. Les religieux. Religious people. Mais qu'est-ce qu'il a parlé avec des prostituées comme ça là? Why is he talking to a prostitute? Une femme women? Se retourne, son cou pouvait se casser comme ça là pour voir. A woman turned and she was looking at me like Je this. Dis, neck regarde bien. And I said to her, yes, look me very well. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. L'amour. Love. Oh Seigneur. Oh Lord. Il a pris Paul. Paul était un délinquant. He took Paul. Paul was a tag man. Un homme violent. He was a violent man. Jésus l'a pris. But God took him. Il a dit les prostituées, les voleurs vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. He said prostitutes, thieves will go, enter before you in the Je kingdom dis, of God. I'm telling you. C'est terrible. This is serious. On reçoit la connaissance. We receive the knowledge. On la garde pour nous. And we keep it for us. Ça nous fait du bien. This does good to us. Mais il y en a qui meurent. But still, there are some people. Il y en a qui sont méchants, oui. Yes, there's some mais il faut aller vers wicked, eux. But still, you need to go to mais them. Mais oui, mes frères, tu comprends. Mais l'amour, you know, c'est quoi brother, l'amour est patient. But what's love? Love is Vous avez vu cette femme enceinte? Have you seen this pregnant Pendant woman? 9 mois, elle va persévérer. For 9 months, she will be persevering. Parce qu'elle a, elle a une vision. Because she has a vision. Oh, Dieu, sauve-nous. Oh, Lord, save us. Jésus. Jesus. Il dit à Pierre. He told Peter. Paye mes brebis. Take care of my Et Pierre dit Seigneur, mais j'ai pas l'amour agapé. And he said, Lord, I don't have this Je n'ai que l'amour philéo. I only have the love L'amour philéo. Agapé vient de toi. But the agape love comes mais from philéo, me. Philéo, c'est l'amour naturel. But philéo is the natural Il dit paye mes brebis. But still he said, take care of my sheep. Alors c'est quoi paître? But what is it to take care of paître, his sheep? Premièrement, veut dire First of all, nourrir. It means to feed. Oh. Alors une pensée m'est venue ce matin pendant que je lisais ce passage. And a thought came to me while I was reading this nourrir. Passage in the morning to feed. Regardez combien des pasteurs aujourd'hui ne peuvent pas vous nourrir, n'arrivent pas à vous nourrir. How many pastors today who are not able to feed vous you? Savez pourquoi? Do you know why this? Regardez un, ce berger avec ses brebis. Look at this shepherd hein? With ce, his sheep. Ce berger avec ses animaux là qui le suivent. The shepherd and his sheep following him. Est-ce que vous avez déjà vu ce berger ou un berger avec ses brebis demander à ses brebis, écoutez, j'ai de la paille, mais par contre, 1 kilo c'est 10 euros, 20 kilos c'est 30 euros, et puis j'ai écrit un livre là-bas, un ouvrage, il faut 40 euros pour... Et puis la Bible que j'ai révisée, il faut aussi la payer, et les brebis qui font la queue, et qui se disent, mais c'est compliqué là. Have you ever seen this shepherd who is asking to his sheep to pay in order to eat? On a un problème dans les églises. We have a serious problem. Au lieu de nourrir, instead of feeding people, des pasteurs maintenant veulent que les brebis les nourrissent. Pastor wants the sheep to feed them. C'est le monde à l'envers. These things is on the old way back. Ils sont tellement nourris Passing par les brebis down. Qu'ils deviennent gras. They have been fed so much by this sheep that they Ils ne fast. Veulent plus quitter leur costard et cravate. They no longer want to leave their suit. Leur soutane. Their cassocks. Ou leur bâtiment d'église. Or their buildings. On dit aller en Centrafrique, il y a la guerre là-bas, c'est compliqué, no, on risque d'être tué. Ah bon? No, there's war going on there. Seigneur, sauve-nous. Really, Lord, save us. On m'a dit, il ne faut pas sortir la nuit là-bas parce qu'il y a la guerre. La nuit, on sortait, frère. I was told, do not come outside during the night because war is going on. On était parmi, il fallait voir les visages des gens. Il y a un jeune Séléka là-bas, là, qui est venu confesser comment il a tué les gens. On a la vidéo là. And confessed how he killed people. Il a tué beaucoup de gens. He killed a lot of On people. Était parmi les tueurs. He said I was among the Pourquoi? Killers. Do you know why? Parce que l'amour pour les âmes nous pousse vers ces hommes et ces femmes. For the souls is pushing toward, pushing us towards the these men and women. Alléluia. Praise God. Pêtre, c'est d'abord nourrir. Taking care of the sheep is first of all feeding them. Dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup dans le monde, hein, des chrétiens ont faim, des chrétiens ont soif. In many churches in the whole world, Christians are thirsty. Ne pensez pas qu'il y a que vous. Il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui ont soif, qui ont faim. It's not all about you. There are many people in the whole world who are hungry and thirsty. Même les inconvertis, il y en a qui sont de Dieu, que Dieu touche. Even Gentiles, there are some people that the Lord touches. Mais mais c'est cher. Une formation biblique, on te dit 9000 euros, mais vous avez vu ça où? A biblical training, you're told to pay. Vous avez vu ça où? How have you seen, where have you seen this? On dit non mais j'ai un diplôme parce que j'ai suivi you know, un cursus tout ça I théologique diploma, pendant 3 ans le diplôme soutane sorcellerie. This is witchcraft. Magie noire. Black witchcraft. Envoûtement. Bewitchment. Quittez ces lieux. Run away. Vous me direz frère pour aller ou pour venir ici? Non, pas ici. No, you say come here. No, no, no. Do not come in this place. Priez Dieu.
Pray God. Les librairies chrétiennes, il faut toutes les fermer. Christian libraries, you need to close toutes them Toutes les librairies down. Chrétiennes, il faut les fermer. You need to close them down. Il y a la nourriture là-dedans. There, the food that is there. Ça devient comme un supermarché. It's like a business, a supermarket. On dit il y a un livre, un ouvrage sur la foi. Oh, there's a book talking about faith. Il y a un chrétien qui veut être enseigné sur la foi qui va là-dedans. If a Christian wants to be taught on faith, il dit, ce he livre enters me plaît. He said this book On lui dit oui, really mais c'est 40 euros. But yes, but you need to mais pay j'ai pas for 40 euros. Euros. But I haven't got 40 ah ben, euros. Tu peux pas être enseigné sur la foi. Then you cannot be taught on faith. Mais celui qui l'a écrit, qui a reçu l'inspiration, là, il a payé combien à Dieu? But the one who has been inspired in order to write that book. On me dit, mais frère, tu sais, pour imprimer, faire imprimer les livres, ça coûte cher. Then they say, Lord, you know, brother, in order to print this eh ben, book, si it Dieu demande à ce que tu imprimes un livre, là, il va donner les moyens. Let me tell you, if God asks you to print a book, He will give you the finances. Alléluia! Praise God. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de librairies chrétiennes ici, quand tu dis Chorin. Ah! This is why many Christian libraries, when you talk about me, celui qui casse Chorin, le marché, là. They are shocked. On va tout casser là-dedans au nom de. He's breaking down our business. On va chasser les vendeurs, les marchands du temple de Dieu. We will cast out all those who are doing their les business. Les vendeurs, des pasteurs qui vendent les DVD, les CD. Quittez ces églises. Run sortez, courez. Run away for your life in these places where they sell their books, DVDs. Run for your life. Vous voulez que je parle? Do you want me to speak on? Do you want me to speak on? Bah oui, frère. Allez partout. S'il y a de la vente. Le pasteur prêche comme ça, on dit à la fin. Attendez, il y a des DVD, tout ça. On duplique tout ça rapidement. 10 euros, il y a des coffrets. If a pastor is, after preaching, he said, there's some DVDs, ils prennent vos dîmes déjà, ils prennent les offrandes d'action de grâce, ils prennent tout, ils vous pillent, sell, ils vous prennent le lait, et vous avez des offering, filles qui sont fatiguées, tout ça là, les mamelles qui sont fatiguées, ils prennent your, le lait, ils prennent la peau, ils font les vêtements avec, they ils prennent tout mes amis, et quand clothes, ils prennent de la viande, tout ça, meat, mais c'est, vous êtes des carcasses, ça reste des carcasses comme ça là mes amis, vous voulez que je parle frères et sœurs? Pêtre, c'est nourrir. To take care of the sheep, vous avez déjà vu une mère? Have you seen a mother? Dire à son bébé? Have you ever seen a pendant qu'il pleut, chérie, crying, darling, j'ai écrit un livre sur la foi. I have written a book about il te faut 40 faith. Euros. You need to pay 40 euros. Vous avez vu ça? Have you ever seen this? Je n'ai pas beaucoup d'amis pasteurs, c'est pas un problème. This is why I don't have many pastors that are my friends. Dans ça, à chaque fois que j'ai un ami, ça pète. Okay with this. Un frère est venu me voir, une sœur la dernière fois, elle me dit, mais Dieu m'a montré que tu étais dans un désert, tu étais seule. Parce que ça, à chaque fois, ça casse. A sister, came to quand me ma tête and tourne, said, quand Dieu sait, ma tête, c'est, même moi-même, là, je me casse. I saw you in a dream and you were in the wilderness because you're alone, you were alone. Alléluia! Vous voulez que je parle? Do you want me to speak on? Des pasteurs africains vont aux Antilles parce que là-bas ça donne beaucoup. African pastors go to the West Indies ils because West Indies dépouillent nos frères et sœurs antillais. They rip them off. Il faut nourrir. We need to feed. Yes, we need. On est parti. On était en Centrafrique. We were in Central Africa. On était avec un pasteur. We were with a pastor. On mangeait à l'hôtel, au restaurant. We were in a restaurant parce qu'on a acheté du poisson, on nous a préparé ça. Because we were eating fish. Et après, j'ai pris des assiettes pour servir les cuisiniers. And then I took some plates and et les gens qui étaient en bas à l'accueil. Je descendais pour aller servir, pour donner les... Le pasteur, il disait aux gens, il disait aux frères, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, on nous a pensé, 27 ans de fonction pastorale, il n'a pas appris qu'il doit nourrir les brebis. He has been a pastor for 27 years, but he hasn't been taught how to feed people. Jésus dit qu'il y aura beaucoup d'antichrists. Jesus said that there will be many là où Jésus dit nourrissez les brebis, les antichrists viennent disent nourrissez-nous. Where Jesus said you need to feed the sheep, antichrist comes and say you need to sheep to feed us. Un pasteur m'a dit il faut pas dénoncer la dîme parce que il faut laisser les gens dans l'ignorance. Comment on va faire pour manger? A pastor told me you shouldn't denounce tithing because how will we do in order to eat? Nourrir. Le Seigneur a dit quoi? To feed. What did the Lord say? L'homme ne vivra pas de pain seulement. The Lord shall not, the man shall mais not de live toute only parole by qui sort de la bouche de qui? But he will live also by the word de la bouche de Dieu. From the mouth of God. Alléluia. Praise God. Et le prophète nous dit. And the prophet says.
que dans les derniers jours, in the end time, il y aura la famine. There will be famine. La famine d'entendre la parole de Dieu. To hear the word of God. Où est la vraie parole? Where is the true word of God? Où est la vraie parole? Where is the true word of God? La parole qui nous présente le Dieu qui sauve. The word of God that introduces us the Lord. La parole qui nous présente, qui nous parle de la nouvelle Jérusalem, de l'enlèvement de l'Église. The word that talks about the rapture of the church. Être chrétien, on nous dit dans les églises aujourd'hui, il faut être des champions. Today in our churches you are told you need to be champions. On se salue par majesté. We greet ourselves by majesty. On dit charisme, c'est la plus grande église. We say charisma is the greatest. Sorcellerie. This is witchcraft. Même si ici on vous dit que c'est la vraie église, frère, la vraie église, Dieu seul la connaît. Here even if you're told here is the c'est true pas une église. Church, no, only parce God que dedans il y a aussi church. Beaucoup de sorciers. Because even here there are many sorcerers. Il y a beaucoup d'idolâtres. There are many idolaters. Il y a des femmes well. Qui veulent nous faire tomber. There are some on women sait who ça. To have il y a des gens qui nous disent la vraie église seule Dieu la connaît. Only God knows his true nous church. Ne vous prêchons pas une église. We're not preaching a church nous ne here. Vous prêchons pas les hommes. We're not preaching men nous voulons here. Vous présenter la parole révélée. We want to introduce you the Jésus, word le of God. Véritable Dieu. Jesus, the truth God. Alléluia. Praise God. Frère Jésus Brothers, Jesus nous nourrit. Is feeding us. Regardez comment il a nourri les apôtres. Look how he fed the apostles. Ils pêchaient. They were fishing. Toute la nuit, ils ont pêché. For the whole night long. Ils n'ont rien eu. But they didn't catch any fish. Le matin, le Seigneur arrive. But in the morning, the Lord il dit, mes petits-enfants. He said, little children. Mes petits-enfants. My little children. J'aime cette parole, mes petits-enfants. I love this word, my tu ne veux pas croire que Jésus est ton père, c'est ton problème. You do not want to believe soit that Jésus est ton père, God, soit c'est le diable qui est ton père. Either God, moi, Jésus Jesus est mon père. Either it is the devil, alléluia! For me, Jesus is my father. On n'a pas tergiversé à discuter là-dessus. We are not discussing on this. Tu n'es pas d'accord, tant pis. If you do not agree with this, it's your fault. It's okay. Mes petits enfants. My little children. N'avez-vous rien à manger? You have nothing to vous eat. Vous voulez du poisson? Do you want some fish? Il dit jeter là-bas là. They say throw out nets. Jeter là-bas. In the waters, this side. Ils ont jeté. And they cast down the nets. Beaucoup de poissons ils ont eu. And they had a lot of fish, many fishes. Et ils ont tout laissé. But they left everything. Quand ils sortent, when they de là, came out ils there, voient hein, du poisson braisé. They saw smoked fish, isn't it? Jésus est tellement galant. Jesus is a gentleman. Qu'il a allumé un feu. That he had fire. Il a préparé une cuisine. Oh, he started a fire and he had his own kitchen. Il a trouvé du bois. And he found some wood. Il est allé chercher du bois quelque part. He went to look for some il est allé chercher somewhere. Une allumette quelque part. He go and look il est allé fire. Chercher du pétrole pour allumer. He go and look for the oil. Il a préparé tout ça là. And he started preparing pendant que fish. Les autres souffraient là-bas, en train de pêcher, il n'y a rien. Lui, il était là, il retournait le poisson comme ça là. While others were looking for some fishes, pendant que toi anything, tu pleures, Jésus prépare la nourriture pour toi. While you're crying, Jesus Alléluia. Some food for you. Praise God. C'est pour ça que je l'aime. This is why I love him. Jesus. Jésus. Ah non, il est trop fort. He is too strong. T'as vu Pierre? Have you seen Peter? Toute la nuit. All night long, he was fishing. Poisson vient, venez s'il vous plaît. Fish come fish. Oh, rika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 k
They have been converted toujours for bébé. 2 years, but still baby. Moindre bobo, pasteur, s'il te plaît, tu peux prier pour moi? If you have a pain, oh, pastor, please pray for me. Oh, maman, pasteur. Pastor. Impose-moi les mains. Pastor's woman, please lay down your hand upon parce qu'on n'est pas bien nourri. Because qui tu es? Well fed. La nourriture de Jésus te donne à rentrer, te permet de rentrer dans ton identité. Jesus' food helps you to enter qui in your identity. Who are you? Tu es prêtre. You are a priest. Et en tant que prêtre, t'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Demande à Dieu quelque chose pour toi. Toi-même, tu es prêtre. As being a priest, you can pray directly. Tu peux parler directement au Père. You can directly speak to the Father. Parce que tu es prêtre. Because you are priest. Parce que tu es intercesseur. Because you are intercessor. Tu peux imposer les mains à tes enfants. You can lay down upon your children. Je disais une fois à une sœur. I told ton mari n'est pas converti. Your husband is not converted. Impose la main là où il dort. While he's sleeping, lay down your hand upon him and you will see. Mais tu es prêtre, non? You are priest, isn't it? Tu es roi en plus. You are also a king. Roi. King. Mais en tant que roi, tu marches sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Tu pries pour les malades et tu dis au pasteur, pasteur, j'ai prié pour quelqu'un qui avait le cancer, Dieu l'a guéri. Le pasteur va dire, tu es prophète? Non. You pray for someone who had a cancer and the Lord heals him. Parce que and tu es bien nourri. Ask you, are you a prophet? No, it's because I'm well fed. Un chrétien nourri, on le voit. A fed that a ça Christian who is well fed, we can recognize him. We tu can prends see ta Bible, dis Seigneur, merci. You take your Bible, you say, oh, le thank matin, you, Lord. Je médite. Oh, Seigneur, ah, Dieu m'a nourri. Oh, in the morning, the Lord has fed me. Une fois que t'es bien nourri, là, forcément, il faut donner. When il faut you're donner. Well fed, you need to give it out as well, sharing. La nourriture. The food. La nourriture. Food. Il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. He said, I eat food that you don't know about. Les premiers chrétiens étaient bien nourris. First Christians were well fed. Il y avait des enseignements tout le temps. They were being told every time. Aujourd'hui, dans nos églises, and today in our churches, des gens viennent parler d'eux. People come and talk about themselves. Oh, on était en vacances. Oh, we were on holidays. On va sur leur Facebook. And you go on their Facebook. Comme là, j'ai été voir un peu vite fait quelqu'un, des prédicateurs. Ils sont sur une espèce de place. C'est une plage là, torse nu, des frères et sœurs torse nu, c'est normal, pas de problème, on est là, c'est les vacances quoi. Chrétiens, on vous nourrit avec quoi? Des coloquintes sauvages. This is wild goods. À Bangui. In Bangui. Je vais dans une assemblée. I went in an assembly there. Je vois là, à l'entrée du bâtiment une grande photo. I saw a big picture. Le pasteur et sa femme. Pastor and his wife. Mais c'est quoi ce royaume là? And what's this kingdom? Voyez, on vous nourrit de quoi? What have been you fed? Vous êtes les résultats de ce que vous avez consommé. You are the result of what you have been eating. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes by hearing. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hearing come from the word. Alléluia. Praise God. Tu dois te nourrir de la parole véritable. You need to feed yourself with the true word of God. Pas une nourriture basée sur les hommes. Not a food that is based on non, mine. Qu'on ne te parle pas de moi, je ne suis que de la poussière. No, let us not talk about me. Parlez-moi de Jésus. Talk to me about je veux manger la parole, manger. Le Seigneur a dit quoi? Ma chair est une vraie nourriture. The Lord said, my flesh is true food. Tu veux que Satan ait peur de toi? Do you want Satan to fear? Mange la nourriture qu'est Jésus. Eat Jesus food. Matin, Jésus. Morning, Jesus. À midi, Jésus. Noon, Jesus. Le soir. In the evening, Jesus. À minuit. At midnight, Jesus. À 3 heures. At 3 a.m. À 6 heures. At 6 a.m. À midi. At 15 heures. Jesus. 18 heures. Jesus. 21 heures. At minuit. Lundi. Midnight, mardi. Monday, mercredi. Tuesday, jeudi. Thursday, vendredi. Friday, samedi. Sunday, janvier. Février, mars, March, avril, April, mai, juin, June, juillet, July, août, August, septembre, September, octobre, October, novembre, November, décembre. Alléluia! Jesus alone, eat him every single day. Si vous regardez une vidéo, if you watch a video où les gens ne font que parler des autres, oh, il a fait ça, il a fait ça. Ok, allez, Jésus revient, non? On a entendu, non? We have heard that Jesus plus de distractions, allez. No more distraction. On reconnaît un vrai prédicateur we can recognize a true preacher sur le fait qu'il est focalisé dans son message et dans son comportement sur Jésus-Christ de Nazareth. The fact that his message is talking about Jesus and Jesus alone. Paul dit dans 1 Corinthiens 2. Paul says in the book je ne veux rien savoir parmi vous. I do not want to know anything que Jésus. About on Jesus. Et Jésus crucifié. I only just want to know about Jesus. Hallelujah. Jesus crucified. Paul dit Paul says, la parole de la foi. The
word of faith. La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent. It is foolishness for those who perish. Tu regardes une vidéo, you watch a video, il ne faut que parler des autres. They're only talking about others. Donc toi, ton ministère, c'est parler de Shora. So your ministry is talking about brother Shora. Mais qui est Shora? Who is Shora? Pour que tu te focalises sur lui. In order for you to focus on présenter him. Aux gens Jésus. Introduce people to Jesus. Et eux-mêmes, grâce à Jésus, ils sauront faire la différence entre le faux et le vrai. And thanks to Jesus, they will be able to choose and recognize those mais who are true si and fake. On passe son temps à parler de la fausse monnaie, mais quand est-ce que vous allez parler de la vraie monnaie? If you spend your time talking about the false money, when will you talk about the real one? La nourriture. Food. Il est beau, Jésus. Jesus is handsome. Alors, en méditant la parole, while I was meditating the word of God, je me suis aperçu que les hommes de l'époque s'habillaient en robe. I realized that men back then were wearing robes. Et je me suis aperçu aussi que les traducteurs n'ont pas voulu traduire correctement le mot hébreu traduit en français par robe, ils l'ont traduit par vêtements pour ne pas choquer les gens. And I also realized that translators back then did not want to translate this word garment properly. They Alors, il y aura bientôt un enseignement sur l'habit des femmes. And soon we will on va choquer les religieux qui disent les femmes, le pantalon, tout ça. On va voir. La robe, Jésus, robe, Pierre, robe, Jacques, robe. On va voir ça, la nourriture. Vous allez vous aider. James, Jack, their clothing, la nourriture. Their garments, food. Petre, c'est aussi. To take care is also soigner. To heal. Oh oui. Yes, to heal. Nourrir. To heal. Soigner aussi. And feed. Jésus nous nourrit, Jesus feeds us, mais il nous soigne aussi. And he also heals us. Il nous soigne au niveau de l'âme. He still heals us at the level of our soul. Quand nous sommes blessés, when we're hurt, il nous soigne physiquement. He also heals us. Il nous soigne au niveau de l'esprit. In our body and also in the level of our spirit. Donc au niveau de l'esprit, so it means in, Jésus the level nous soigne. Of our spirit, he also heals us. Il nous guérit. He heals us. Au niveau de l'âme, du cœur, il nous guérit. And also at the level of our soul, our heart, he also heals. Et au physiquement aussi, il nous guérit. And also physically, he heals us in our body. Il n'a pas changé. This Jesus vous avez vu comment changed. Il guérit les gens ici? Have you seen how he partout. Heals people here and everywhere? La femme in the world, qui était chez elle, this woman who was at her malade, place, she was sick. Jésus l'a guérit. And Jesus healed le her cancer, from her cancer place. A disparu. Cancer disappeared. Voilà ce que Jésus fait. This is what Jesus performs. Présentez-nous ce Jésus-là. Introduce to us this Jesus. Rappelez-vous bien qu'il est le bon berger. Remember well that he is donc, a good en shepherd. Tant que bon berger, and as being the good shepherd, il nous nourrit. He feeds us. Il nous soigne. He also heals us. Je veux dire à quelqu'un ici. I want to tell someone here. T'inquiète pas, Jésus va te soigner. Don't worry, Jesus will heal you. Non. Tu n'as pas besoin de Shora. You do not need Shora. Ou d'un homme d'abord, or d'une a femme. Man or a woman. Fais confiance à Jésus. Trust in Jesus. Moi, il me soigne. He heals me. Je vous dis, hein, I'm telling you. Une fois, j'avais mal au dos, mais d'une fois, oh, j'avais mal. One day, c'est fini. I had a back pain and I said, Lord, it's over for me. Je me suis recouché comme ça, là. And I slept. Et j'ai vu un grand ange. I saw a great angel. Il avait comme une espèce d'éponge comme ça, là. He had a sponge. Il and he started nettoyer cleaning. Mon dos. He started cleaning my back. Et je le regardais comme ça. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait derrière là? Him, what is he doing? Il nettoyait, il nettoyait, il nettoyait, il nettoyait. Cleaning. Quand je me suis réveillé, and when I woke up, il n'y avait plus rien. And I had nothing. C'est fini. It was over. Parfois, je dors comme ça. Dieu vient. I'm sleeping and the Lord il comes. Me dit, tu vas manger tel fruit pendant quelque temps. And he said, you will eat this type of je vous dis. Some time. Yes, I'm telling you. Une fois, il me dit, tu vas boire telle chose. Sometimes he tells me you will drink. Il me soigne. He heals me. Je vous dis. I'm telling you. Paul dit à Timothée, prends un peu de vin par rapport à ton estomac. Regarding your stomach, voyez? You can take some wine. Dieu dit à Isaïe, and the Lord talks applique, Isaiah. Applique sur l'ulcère d'Ézéchias un peu de figue. Where Ezekiel has a pain, put some fig on it. And pourquoi, he will be healed. Pourquoi il nous a donné comme alimentation de l'herbe, des fruits, tout ça là? Why did he give pourquoi? Us some fruits? Ben parce que ça nous restaure, restaurer, restaurant, because restauration. This réparer us, en mangeant bodies, la nourriture que Dieu nous donne, nous nous réparons. By eating the food that the Lord is giving to us, we il are répare ourselves. Nos intestins. He is repairing il our répare intestines. Nos cœurs. He also repairs et Satan our hearts, vient. And Satan il dit non, says, pas no, beaucoup de fruits. No more fruits. Hein? Mangez gras. Eat fat. Tuez-vous. Kill yourselves. Ça vous cale, c'est vrai, mais yes, malade true. Après. You're no longer hungry, but still Coca, you're sick. You're drinking Coke. Vous avez vu? Coca-Cola. Mm-hmm. Yes. Alléluia. Praise God. Vous voulez que je parle? Do you want me to speak up? Canette à chaque fois. You're with your can and drinking.
Je vois des gens qui aiment beaucoup tout ce qui est sucré là. I see people who love Ils se tuent en mangeant. Sugar, Ils sont suicidaires. They are killing themselves. Aux Antilles. In West Indies. Comment on appelle ça les jus là-bas là, comment? How do we caresse, caresse antillaise. How do we call these juices caress? Hein? Le sucre qui caresse vos organes vitaux comme ça là, ça caresse et puis diabète. This sugar will cause diabetes in your bodies. Mm-hmm. Yes, it will. Je suis allé à l'île de la Réunion. I went in the Réunion. On m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de diverses sortes de diabète. And there are many people who are touched by diabetes. Mais ils sont pas bien soignés. They are suffering. Satan est méchant. They are not well healed. Satan is so wicked. Je dis bien, Jésus en tant que berger nous soigne. I'm talking about the Jesus. Il nous soigne spirituellement. Shepherd, he heals us spiritually. Avec sa parole. With his words, nos esprits sont soignés. Our spirits are healed. Voyez, see, dans la prière, nous sommes soignés. In prayer, we are also healed. Dans l'intercession, nous sommes soignés. While we intercede, we are also healed. Au niveau de l'âme, at the level quand of nous soul, recevons la parole guérit nos âmes blessées. When we receive the word of God, it heals our wicked hearts. Qui n'est pas blessé ici au niveau de l'âme? Who has never Tous. Been hurt in his soul? On nous écrase. Parfois. Dans nos familles, il y a des gens qui peuvent nous dire des paroles méchantes sometimes, au travail, partout. In our family or at our workplace, et on a besoin d'être soignés au niveau de l'âme. And we need to be healed at the level of Jésus our nous soigne. And Jesus heals us. Tu peux aller voir un psychologue pour parler. You can go and see a mais il ne va pas vraiment te soigner. Psychiatrist to talk about your problems. Il va dire, assieds-toi sur le canapé, parle. He will tell you, assieds-toi là. Lay down. C'est quoi ton problème? And stop talking about your problems. Mais le psychologue, ma copine est partie. You know, my girlfriend left. Elle s'est barrée avec mes enfants. She left with my children. Je ne pense qu'à ça. And I'm always talking Alors, about je fume de temps à autre une clope, mais so ça marche sometimes pas. I smoke a cigarette. Et puis quand tu vas chercher ta clope, on dit bien sûr, on écrit bien sur le paquet. Il y a des photos parfois très très violentes. Fumer tue. And sometimes on your cigarette packs, it's written that smoking kills, but still you smoke. Alors faut, le gars il te dit, assieds-toi, il parle. And the psychiatrist tell you, sit down tu parles, il est plus là. While you talk, il pense à autre chose there, parce qu'il est fatigué, c'est un homme. Something else. Non. Avec quoi? Une demi-heure, oui. 150 euros. So for 30 minutes you need to pray, to pay 150 bon, euros. Bon, on va faire deux séances par semaine. Oh, you can have two sessions. Hein? Two appointments by week. Psychologie. Per week. Psychiatry. Et ensuite, c'est compliqué. Dis bon, à ton cas là, je vais te recommander un collègue. Un psychiatre. I will tell you to go to my colleagues because your case is so difficult. Comme je dis souvent, ils sont particuliers les psychiatres. Hein? Ils sont I'm tellement dépassés par les problèmes. Psychiatric, des gens so... qui ont souvent des lunettes, ils ont des cheveux parfois pas bien coiffés, tout ça là, ils sont. They are overwhelmed with problems that they have. They do not have a good looking. Hein? Les pauvres, ils souffrent. Poor them, they really. Et quand suffer. Vous le voyez, vous dites là, je suis mal barré là. And when you look at them, you say now I'm a bad. Bon, I'm from a bad. On va vous donner des piqûres, hein? Parce que là, on ne peut pas vous soigner véritablement. Les piquants. We are not able to heal you, so they inject you some drugs. And you voyez? Start saying that he's crazy. Pourquoi? Parce que l'âme est malade. Why this? Because the soul is. Mais il y a quelqu'un qui soigne l'âme. But there is someone who heals the soul. Il y a quelqu'un qui a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués. There is someone who est chargé. To me, all those who are et je vous donnerai du. And I will give you rest. Le repos. The rest. Voilà pourquoi Dieu veut abréger ce jour. This is why the Lord parce wants que to shorten nous, this day. Nous ne pouvons pas supporter. Because we cannot take it anymore. Jésus soigne nos cœurs. Jesus is the one who heals our hearts. Soigne nos cœurs. He heals our hearts. Wow. Une seule parole. Only one word. Du Seigneur. Coming from God. Guéris ton cœur. He's your heart. Tu sors de là avec assurance. You come out of there oh with Seigneur, insurance. Merci. Oh, thank you, Lord. Je réalise que je ne suis pas n'importe qui dans ton royaume. I realize that I'm not no oh, one in Seigneur. Your kingdom, oh Lord. Il y a beaucoup de psychiatres. There are so many psychiatrists qui cherchent la solution pour leurs malades. Looking for the true solution. Vous avez vu la sœur, vous avez entendu la sœur qui a témoigné, people. Non? Elle est docteur, hein? Elle est psychiatre. She is also. Vous avez vu comment Dieu l'a changée? Have you seen how the Lord has changed her? C'est pas un travail facile. This is not easy. It's not an easy job. Parce que écouter les problèmes des gens. Because hearing people's problems. Tu te remplis avec ces problèmes-là. You also. Il faut se vider. Yourself with this and c'est you dur. Need to empty yourself and this is hard. Et Jésus nous soigne physiquement. And Jesus physically heals us. Il le fait avec moi depuis des années. He's doing this with me for years now. Je vous dis. I'm telling you.
J'ai eu un genou comme ça, je vous l'ai dit, hein, gonflé comme ça. I had my knee that was big like this. En mission aux Antilles. This was during a mission in the West Indies. Wow. Je me voyais partir. I saw myself leaving. It was over for me. Le frère qui est avec moi, Jérémy, en Guadeloupe. And the brother who was with me, Jeremiah, in Guadeloupe. Que Dieu le bénisse. May God bless him. Je transpirais comme pas possible. I was sweating a lot. Et à un moment donné, parfois il me portait. And even sometimes he was carrying me. Et on regardait sur le net, on disait, oh là 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 là, oh Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais les reins, c'est comment? Parce que les gens disaient, les reins, machin. Oh le Seigneur. People were talking about my kidneys, what's going on? Le genou comme ça. My knee was big like this. À chaque fois, mon lit était inondé de sueur, mais rempli de sueur. Every time my bed was filled with my sweat. Je dis, Seigneur. I said, Lord. Si c'est mon heure. Que Dieu soit béni. If my time has come, may your name be blessed. Il m'a soigné. He healed me. Jésus. Jesus. Il nous nourrit. He heals us. Il nous comble. He fills us. Il nous soigne. He heals us. Et troisièmement, pour finir, il nous garde. He also keeps us. Wow. Le bon berger nous garde. The good shepherd keeps us safe. Il veille sur toi plus que tu ne le crois. He watches over you more than you think that he does. Je vous dis, Jésus veille sur toi. I'm telling you, sur Jesus nous. Watches over you, over me as well. Pourquoi? Why this? Parce qu'il nous nourrit, parce qu'il nous soigne, parce qu'il nous aime. Because he feeds us, he loves us, he heals us. Il nous garde de quoi? He keeps us safe from what? Eh ben, de l'ennemi. From the enemy. Il a dit à Job. He told our brother Job. Il a dit à Job. He told Job. À Satan. Oh, Satan. Je te laisse toucher à son corps. I let you touch his body. Je t'autorise à toucher. I give you the authorization to touch him. À son corps, mais. Only his body, but. Prends garde, littéralement, prends garde à son âme. Watch over his soul. Quoi? Satan dit, Job. He said, Satan said, Job. Il te prend. Tu sais pourquoi il te craint, Job? Do you know why Job fears you? Parce que tu as mis, littéralement, il a dit ça, tu as mis un rempart autour de lui. It's because you have put a rampart around him. Autour de ses affaires. Around his business. Autour de sa famille. Around his family. Mais retire seulement cette muraille de protection, tu But vas voir. If you take out the wall, the rampart that you have put to him, and you will see what happens. Dieu a retiré le rempart. And the Lord took that lampart from there. Satan a touché physiquement Job. And Satan Il ne pouvait pas aller au-delà. He had smoked Job, but he couldn't. Je veux parler à un enfant de Dieu qui pleure. I want to talk about a children of God who is crying. Satan ne peut pas te toucher si Dieu ne lui autorise. Satan cannot touch Jamais. You if the Lord doesn't give him the authorization to do. Never. Même quand Satan doit tuer quelqu'un. Even when Satan has qui n'est pas to converti, kill someone who is not converted. Il demande la permission au créateur. He firstly asks the permission to the creator. Alors toi, chrétien. But you, Christian. Dors en paix. You can sleep safe. Sleep tight. Ne sois plus paniqué quand tu entends il y a des sorciers, des démons. Sorciers, oh, c'est rien ça. Do not be shaken when we hear about sorcerers and demons. No, moi les sorciers, je les aime. I love sorcerers. Je vous dis. Yes, I'm quand j'entends sorcier, je veux te saluer bien comme il faut. When I hear viens, viens me voir la nuit. I viens. Will greet you. Come at night times. Come see me. En Centrafrique. In Central Africa. Dès la première nuit. From the first night. Les deux esprits principaux du pays sont venus me rendre visite. The two spirits that are oui. working in this country come to see me. Two my bed of waters. J'étais sur un immeuble de 10 étages. I 10 was à 12. On a building that was 10 je le regarde floors. En bas comme, depuis le haut. And I was looking et je leur at dis, them. Qu'est-ce que vous faites là? And I was asking them, what are you doing elles here? Courent vers moi. And to, these two et je me disais, bon, elles vont prendre les escaliers ou l'ascenseur. And I thought that they will take the et stairs elles to climb. Se retrouvent instantanément devant moi. No, but at certain point they found themselves je fais before ça. Me and I hein, j'ai back. Reculé. I elles back. M'ont dit, tu as peur? And they asked me, are you afraid? Ouh là là, je me suis ressaisi là. And moi avoir peur là? I said no. I attends. Being afraid, Jésus est à moi. Jesus is il me nourrit. Il me soigne. Il me garde. C'est quoi cette affaire là? Ah! What's the matter? Il y a des gens qu'il ne faut pas provoquer. There are some people that you should never provoke. Nous, dans notre royaume, là, quand nous sommes provoqués, c'est comme Samson. Allez, ah. In our kingdom, we are like Samson. When you provoke, je dis au nom de
de Jésus. And I said in the name of Jesus. Elle me regardait comme ça. And they were looking at me like this. Il y avait comme de la fumée qui sortait, qui commençait à m'étouffer. There was some smoke coming. Et là, je me réveille. Il devait être 4 heures du matin. And I woke up. It was 4 p.m. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive là? And I said, Lord, what's going mal. On? And I didn't feel je well. Me disais, je voulais bien remporter la victoire dans le songe, mais Seigneur, c'est comment? Because I wanted to have the victory. Je me suis recouché. And I said, Lord, what's non, Jésus est notre Père. And then I went back to sleep. Le songe est revenu. Jesus is our Father. C'était and la I suite. This, the same ah! And this is Hallelujah! What had to happen next. Praise God. Non. Et cette fois-ci, and this time, elles étaient à trois. There were three, my Il y avait un homme qui les accompagnait. And there was a man with J'étais them. Avec ma famille dans la voiture. And I was in a car with je my m'arrête, family. Je dis à ma femme et aux enfants, repartent à la maison. And I said to my wife and là, children, c'est entre go back eux home. Et moi maintenant. Là. Now it's about them and I. Et là, and from then, je ne sais pas ce qui s'est passé. I don't know what happened. Je me suis vu, elles étaient en face de moi, je me suis vu aussi derrière elles. I saw they were in front of me and I saw myself je me vois là-bas en face. Them. I was behind them. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? And I said, Lord, what's going on? And les deux femmes se retournent, elles me voient derrière et devant. Elles étaient en panique. When they looked at the back, they saw me in their back. Elles me voient à gauche. They saw me on their left. Je me vois aussi là-bas. And I also saw à droite aussi. I was en dessous. On their right hand side. En haut. Encerclé. Under them. I was everywhere around them. I was surrounding them. Je leur ai dit au nom de Jésus. And they said in the name of Jesus. Et ils sont tombés au sol. And they fell on the ground. Et ils ont dit non, non, on veut de Jésus, on veut de Jésus. And they said we want Jesus, we want Jesus. Et je me suis réveillé, j'étais frère, j'étais dans la joie. Oh, and I woke up, Jésus, tu es trop fort. Hallelujah. Joy and brothers and sisters, Jesus is too strong. Jésus. Jesus. Il nous garde. He keeps us safe. Le bon berger, the good shepherd, quand il voit le loup venir, when he sees the wolf coming, il prend le bâton, he takes the rod, il nous dit arrière, and he said go back. Personne ne peut te toucher. Step back, no one can touch you. Voilà pourquoi nous allons bientôt partir. This is why we will be taken up savez, very soon. Le berger vient chercher ses brebis. You know the good shepherd comes and takes Frère, back his sheep. Bientôt c'est le départ. Je vous Brethren, dis. Very soon the departure will happen. C'est le départ. The departure. Le départ. Yes, the departure. La dernière trompe, la septième trompette là est the déjà dans la bouche de l'ange. Trumpet is in the mouth of this angel. On va bouger. We will go up. On va partir où? Where will we go to? Là-haut. Up there. Nous sommes étrangers et voyageurs. We are strangers. Nous rentrons chez nous. On this wall. We will go back home. Nous rentrons à la maison. We will go back home Je in our dis. Places. Yes, I'm telling you. On va nager là-haut. Là. We will swim up there. On va faire du dauphin. We will be on dauphin. Dans l'eau. In avec waters, des, avec nos harpes, nos guitares. With our guitars and harps, instruments. On va chanter des chants nouveaux avec David. Ouais, David, non? And we will sing new songs with David. Le cantique de Moïse, serviteur de Dieu. Songs of Moses, the servant on sera of God. Sur la Sion, la montagne céleste. We will be on the Mount Zion. Je vous dis. Yes, I'm telling avec you. Abraham. With Abraham. Avec Isaac. With Isaac. Rassemblés. We will be gathered. Un seul troupeau. On one sheep. Un seul berger. One flock, one shepherd. David a dit, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de. David said, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. Même quand je marcherai dans la vallée de Even l'ombre de la mort. I will walk in the valley of the shadows of death. Je ne crains aucun. I will fear no pain, nothing. Ta houlette et ton bâton me rassurent ou me consolent. Your rod reassures me. La houlette, si tu veux t'égarer, il t'attrape. And with his stick, his rod, he comme il a takes you rattrapé back, notre frère. Such as he has done with our brother. Tu ne peux pas t'égarer loin là. Il you t'attrape. Cannot be lost for long. Dit, no, he takes reviens. You back. He brings you back. Come back. Reviens. Come back. Voilà pourquoi il dit à beaucoup ici là, revenez. This is why he says to many people, come back. Vous avez vu? Have you? Do you see? Revenez. Come back. À cause des problèmes, vous êtes égaré un peu. You have been lost. God has il t'attrape. Il te dit, reviens. He catches you and say, "Come back." Tu sens que tu dois revenir à la prière comme avant. You need to feel. You feel in your heart that you tu need to pray. Tu sens que tu dois revenir à la vie de jeûne et prière. You need to fast and pray. Il y a une onction ici là. There is an anointing in this place. Que le Seigneur répand sur ta vie. That the Lord is pouring oh, out in your hallelujah. Life. On your life. Voyez. You see. Voyez. You see. Oh.
Tu vois? You see? La houlette. This is the du berger. The rod, the la houlette. The rod. Du berger. Of the shepherd. Là où il y avait la mort, la houlette de Dieu vient vers toi et te ramène à la vie. The Lord's rod comes oh, and gives you life. Jesus. Jésus. La gloire de Dieu est là. The glory of God is vous in this ça? Place. La gloire de Dieu est là. The glory of God is in this place. Dieu te ramène, jeune fille, the Lord à la maison du Père. To the house of the à la consécration, à la sanctification, jeune homme. Holiness, young man. Pourquoi? Why? Parce qu'il t'a mandaté le Seigneur. Because the Lord has warned you. Parce qu'il a versé son sang à la croix pour toi, pour moi. Because he has shed his blood on the cross for you and I. Satan veut te récupérer. And Satan wants to come. Mais le maître avec son bâton. But the master with his rod is taking. Oh! Avec le bâton. With his stick, il te corrige. He corrects il te corrige. You. He corrects you. Voilà pourquoi tu pleures. This is why you're voilà pourquoi crying. Tu souffres. This is why you suffer. Cette correction n'est pas pour ta mort. This correction is mais not c'est pour you te ramener die, no. À la maison du Père. In order for you to come back at the tu n'es pas comme house. Les autres. You're not like everyone. Tu es différent. You're different. Tu n'es pas comme les autres. You're not like everyone tu else. Es particulier. You're special. Voilà pourquoi Dieu te fait souffrir comme ça. This is the, why the Lord allows parce you qu'il to doit te forger. Il doit te former. Because il doit te préparer la moisson. He is preparing Jesus. The harvest. Il t'appelle à la sanctification, he à la sainteté, à la consécration. He calls you to sanctification, pourquoi? Holiness, consecration. Why this? Parce que tu es sa brebis. Because you're his sheep. Parce que tu es sa brebis. Because you're his sheep. Tu es sa brebis. Yes, you are. En tant que brebis, and as being a sheep, tu passes par la porte des brebis. You are going through the gate of the sheep. Femme. Woman. Femme. Woman. Homme. Man. Oh, Jesus. Jésus. Tu as fait plusieurs églises. You have been to many tu as fait churches. Beaucoup de séminaires. You have attended many seminaries. En cherchant Dieu. By, well, mais aujourd'hui, what? Dieu vient te voir, il vient te God. Voir, il vient te parler. You are seeking God, and il te dit, mon enfant, je te ramène devant mon trône. I'm bringing you before my throne. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui, today, c'est ton jour. Today is your day. C'est ton jour. It is your day. C'est ta libération. This is your freedom. Tu vois? You see? Là où Satan t'avait enfermé, where Satan had closed le Seigneur vient te libérer. The Lord is, comes and sets you free. La lumière de Dieu brille sur toi. The light of God is upon you. Maintenant. And it's shining now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Toutes ces blessures que tu as connues, tu as eues. These hearts, that wounds that le you bon berger vient vers toi. The good shepherd comes unto you. Ce démon sort and maintenant. This demon comes out right now. Quitte come ton out. Âme. Come out of your sors. Soul. Come out. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Voilà. This is tu it. Quittes ce corps-là. Come out of this body. Ce corps n'est plus ta maison. This body is no longer your house. Voilà. Il y a des démons qui sortent là. There's some demons that are coming aucun out. Démon ne peut résister no demon à la puissance to the de la parole de Dieu. Of the word of God. Si tu vas la lâcher. Yes, you will release her. Si. Yes, you will. Si. Yes, you will. Elle n'est pas ta brebis. She is not your sheep. Elle a un maître. She has a master. Et tu le sais. And you know it.